Germaine, desservez. Une cuisse de canard. Hein. Oh, bien volontiers. Allez, à ta santé. À la tienne. La vie n'est bonne qu'à condition d'en jouir. Quelle bassesse que de penser tout le temps au prolongement de son existence. À la tienne, juste. À la bonne tienne, François. Et si on prenait le champagne dans le jardin? Oh, bonne idée. Oh, Germaine, champagne, du champagne. Mais il n'y en a pas du champagne. Eh ben, qu'est-ce que ça ne Allez en chercher, allez au village. Oh, mais c'est loin comme tout. À cette heure-ci. Je vous somme d'y aller, vous m'entendez? Je vous somme. Oh, quelle quantité d'étoiles. En plus, on ne voit pas tout. Derrière la Voie lactée, il y a les nébuleuses. Au-delà des nébuleuses, il y a des tas d'autres étoiles. Et comment sais-tu tout ça? Je l'ai souvent regardé au télescope. La place Vendôme. Ouais, ouais. Tiens, là-bas, c'est la Grande Ourse. Et là? C'est Cassiopée, là, la Cassiopée. Ah. Ouais. Tu sais que la vitesse de la lumière est de 300 000 km à la seconde. Oh, c'est fou, ça. Que je regrette de n'avoir pas fait l'école polytechnique dans ma jeunesse. Un rayon de la Voie lactée met 6 siècles à nous parvenir, si bien qu'une étoile, quand on l'observe, est peut-être déjà disparue. Mais crois-tu qu'il y a des hommes dans les étoiles? Ah ben oui, sûrement, il y a... il y a des commerçants, des gendarmes, des... on y fraude, on y tue, on détrône les rois... Tiens, une étoile filante. Ah. Des mondes qui disparaissent. Ouais. Si le nôtre, à son tour, faisait la cabriole, les citoyens des étoiles seraient peut-être pas plus émus que nous le sommes maintenant. Voilà qui renfonce notre orgueil. Eh oui. Mais quel est le but de tout ça? Mais il n'y a peut-être pas de but. J'aimerais tant savoir comment l'univers s'est fait. Oh, j'en peux plus, moi. Je vais me coucher. Percer le grand mystère, ils se lancèrent dans l'astronomie et dans les époques de la nature. Frappés par la majesté de la création, ils étaient fiers de réfléchir sur de grands sujets et leur tête s'élargissait. Ils passèrent à l'étude des germes sans grand résultat. Ils en arrivèrent à douter du microscope. Heureusement, ils découvrirent l'archéologie, la géologie et surtout l'étude des fossiles. Le curé les félicita, car la géologie, leur dit-il, confirme l'autorité des Écritures en prouvant le déluge. Le déluge. Qu'est-ce que ça signifie, les cataractes du ciel ? Le ciel n'a pas de cataracte. Et une pluie qui dépasse les plus hautes montagnes, qu'est-ce que ça veut dire? Concevez que votre Moïse exagère diablement. Mais il faut toujours distinguer entre le sens et la lettre. Moïse a voulu sans doute inspirer la terreur à son peuple, voyons. Et cette masse d'eau, d'où viendrait-elle? Mais on a trouvé des coquilles sur les montagnes. Qui les y a mis, sinon le déluge? Elles ne poussent pas sur la terre comme des carottes. À moins que ce ne soit encore une des découvertes de la science. En tant que géologue, nous avons le droit de discuter religion. Le droit et même le devoir. Alors, que penser d'un livre qui prétend que la lumière a été créée avant le soleil? Quant à dire que l'homme a vécu en même temps que les mammouths, non. Moi, je dis non. Je dis même que l'homme n'a pas été nécessairement créé et qu'il descend peut-être bien du singe. Mais quand on compare le fœtus d'une femme, d'une chienne et d'un oiseau... Ah, monsieur Bouvard, ça suffit. Eh bien, moi, j'irai plus loin, monsieur le curé. Je dis que l'homme descend du poisson. Parfaitement du poisson. Toutes les traditions de l'Orient l'attestent. Et chacun leur sang au fond de lui, au contact de l'eau.
Finalement, la géologie les déçut. La matière minérale se révélait ondoyante et fugace. Tout croule, tout se transforme. On ne peut même dans les pierres trouver aucune certitude. Un jour, dans les odeurs de l'été, il rêvait aux sources cachées, à la sève des plantes, aux existences innombrables éparses autour d'eux, au vent, aux nuages. Il ne songeait plus à percer les mystères de la nature, ils étaient perdus dans sa force. J'ai soif. Moi aussi. Je voudrais volontiers quelque chose. C'est facile. Gorgu. Venez, je suis là, tout prêt. Que faites-vous maintenant, Gorgu ? Je suis menuisier. Mélie, tu es là ? Mélie ! Elle est gentille, hein, et rude à l'ouvrage. Brave petit cœur, va. Quand je serai riche, je t'épouserai. Apporte-nous des verres. Asseyez-vous comme vous pourrez. C'est pas un château, ici. Mais... Il y a des personnages là-dessus. Ah, c'est Hercule. Ben, Hercule et Omphale. Ou bien Samson et Dalila, non? Et ici, regardez, regardez. Adam et Ève en train de créer l'espèce humaine. Et ça, c'est ma foi vrai. C'est de l'époque Renaissance, ça. Hein, si vous voulez, je vous le cède à bon compte. Hein, mais... Une grosse réparation, hein. On sait rien. Je peux vous les faire. Quoi? Nous avons besoin de quelqu'un pour aider notre vieille Germaine. Est-ce que vous croyez que votre petite bonne accepterait? Mélie? Oui. Ça peut s'arranger. À votre santé. À votre santé. À votre santé. Le bahut Renaissance leur donna le goût des choses anciennes. En 6 mois, leur maison ressemblait à un musée, et ils la faisaient visiter. Ceci est un sarcophage gallo-romain, récemment découvert dans une auberge. Là, des cuivres, une bassinoire. C'est une vasque grecque. Une plaque de foyer. On pénétrait dans la maison, on prie. Ces 2 urnes sont pleines de cendres humaines. Et là, c'est le cabinet des médailles. Combien ça peut valoir de nos jours? Oh, ça vaut quelque chose. Et là, ce vitrail nous vient de la cathédrale de Rouen. Et là, nous avons une soupière en vieux Rouen. En vieux Rouen? Ça m'étonnerait. On imite si bien aujourd'hui. C'est de noix de coco, là. Je les ai depuis mon enfance. Et là, nous avons une pièce unique. Cette hallebarde servait à faucher les jambes d'un cheval, à perforer la soupe. Mais ça, c'est juste un pichet de cidre. Ah non, non, pas n'importe lequel. Cette dame n'est pas très convenable. Se décolleter. Où est le mal, ma chère amie, quand on possède quelque chose de beau? Comme vous, sans doute. Oh, nous n'avons plus l'âge des folies. Oh, moi je ne dis pas non. Et ça? Ça, c'est une statue de Saint-Pierre, faite en 1817, et signée. Il a une tête d'ivrogne. Oui, si on veut. Ça doit coûter quelque chose, quand même, tout ça. Ah non, 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 pas trop, pas trop. Vous employez ce garçon? Oui, pourquoi? Un jour d'émeute, je ne m'y fierai pas. Le goût des antiquités les ramena à l'archéologie, l'archéologie les conduisit à l'histoire, mais là encore, ils ne voyaient rien de certain. On est d'accord sur rien, c'est inadmissible. Les uns disaient que la Révolution fut un événement